parler de foot toute la semaine. Non. Quand même, tu vas. Ouais, ça tourne un peu là, puis ça tourne à ta droite. C'est un éclair, ça, aussi?
ça peut être une envie d'être.
c'est parce qu'il y a une petite cellule droite en avant de la grosse affaire. Tout le monde. Donc, je suis en live présentement sur Facebook et sur YouTube. Sur TikTok. Donc, on est du côté des États-Unis. Donc, on a chassé un peu tantôt en Ontario. Mais on a décidé d'aller prendre le gros stock. Là, les orages qui ont donné des alertes de tornade un petit peu plus tôt aujourd'hui du côté de Barrie. Donc, la même zone de cellules là, est sur les Grands Lacs. Donc, on a décidé de traverser aux États-Unis pour aller l'intercepter. Donc, là, on est à 8 minutes de Watertown. Donc, on va aller se positionner sur le bord des Grands Lacs. Puis, on devrait voir... Dans le fond, le lac, c'est le lac Ontario. C'est ça. Que la cellule est là. Qu'est-ce que vous voyez en avant, là, c'est les cellules qu'il y a présentement au sud de Syracuse. Donc, vous pouvez voir que même si Syracuse est loin... Eux autres sont présentement en veille de tornade. Ouais, ben c'est ça. Les conditions aujourd'hui sont là pour avoir une tornade. On a fait une Hawaïenne tantôt, là. Il y a une super cellule qui est levée. On a vu un petit entonnoir qui est sorti, mais ça n'a pas donné de tornade. Là, ben, on voulait aller pogner la ligne qui s'en vient, là, qui est au-dessus des Grands Lacs. Là-dedans, il y a de la grêle de 2 pouces. Donc, ça va être à surveiller. Puis là, tu là-dessus, il y a une alerte maritime spéciale sur le lac Ontario, dans le fond. On va peut-être voir un drone marine. Construction. Oh. Ouais. Déçu. J'adore les œufs aux États-Unis.
Donc là, on commence à voir la ligne, là, c'est ça qui s'en vient. Allô, est-ce que c'est la blonde à Mathieu? Oui, c'est la blonde à Mathieu. Donc, c'est ça. C'est le fun. Aux douanes, là, ça n'a même pas pris, ça a même pas pris 5 minutes. On était deux chars, genre. C'est ça. Le gars nous a demandé qu'ils avaient à faire, ben, Storm Chasing, direction Watertown. Puis il nous a demandé quand ils ont revenu. Bon, on va revenir à soir. Fait que, c'est le fun, ça. À 2 heures de la maison. On est maintenant dans la ville de Watertown. Oh, il y a du monde sur le radar. Oui. On avait le choix de remonter l'Ontario pour aller vers chez nous ou de traverser aux États-Unis, puis c'est à peu près la même chose. La zone la plus forte est là. Ouais. Il y a du vent là-dedans. Et sur l'eau, ça peint tout le temps. Ouais. De ici, il fait 24 degrés. Des loves, on adore ça, nous autres, des loves. Ouais. Tu rentres dans un love où il y a d'autres stations-service, là, mais t'as tout. Là. T'as un dépanneur, les toilettes, restaurant, t'as tout, tu manques de rien. Ouais, regarde ça comment c'est beau. Mais wow! Les loves, il y en a partout, il y en a même au Texas. Là. Le monde dit tournade parce que ça, c'est comme le mot tourne, mais c'est tornade. Regarde ça comme c'est beau en avant, le ciel. Toujours différent quand on est aux États-Unis. Là, on est pas mal autour du Québec. Ouais, mais. Lui, c'est lui qui donne les plus gros orages. Le front chaud va être rendu sur Montréal là, cette nuit. Fait que c'est pour ça qu'il va y avoir des orages cette nuit. Mais pour aujourd'hui, c'était vraiment. Comme il y en a qui disent Ottawa. Ouais. Ouais. Genre Mathieu. Ouais, c'est parce que j'essaie de le bien prononcer, puis là, ça sonne Ottawa. Ottawa? Non, c'est Ottawa. Pas long là, on va tourner vers la droite.
puis on s'en va vers la ville Adams. Ouais, j'ai marqué sur GPS, j'ai marqué Anderson. Le plus au sud? Ouais, mais là je vais sortir ici. C'est un chemin similaire. Au moins avoir une vue devant. Dans le fond, ils n'annoncent pas de temps violent pour le Québec. C'est un risque d'orage. C'est normal. C'est ça. Les cartes ne montraient pas de temps violent. Puis, il n'y a pas de veille, il n'y a rien. Même en Ontario, il n'y avait pas de veille. Puis, de la pluie. Après ça, cette pluie-là qui va avec quelques éclairs. Attention aux chiens. Ouais, pour pas qu'ils courent après toi. Souvenez des États-Unis. Oh! Oh, c'est vraiment beau au loin. Donc, c'est pour ça qu'on chasse pas au Québec, parce que c'est juste de la pluie. Nous, on a besoin de plus gros. Ouais, nous, on chasse le temps violent. Puis là, en gros, on a le temps. C'est la fin de semaine, on ne travaille pas, puis ben, c'est pas trop loin. Au Massachusetts. Ben, je sais pas, on est tu à peux faire des stops américains. Ouais. Je vais faire mes stops pareil. Dans le fond, on est dans l'État de New York. Ouais. Ouais, ça, on est aux États-Unis, là, mais tu sais, on est au sud du Québec, là, tu sais. On est à 2 heures du Québec, là, tu sais, c'est pas. On n'est pas à 8 heures à l'autre bout du monde. C'est pour ça que, tu sais, c'est correct. Là. C'est pas plus pire que descendre à Québec. Là. C'est à peu près pareil. Mais dans le fond, c'est la même chose. Là. Descendre à Watertown. Puis en même temps, ben ici, c'est ici qu'il y a des effets de lac l'hiver. Fait qu'on va probablement revenir cet hiver. Ça va être à suivre. Puis, oui, oh, wow! C'est au sud, dans le fond, du lac Ontario, là-bas. Ouais. Wow! Oh, il y a une Supercell. Oh, il y a de quoi là-bas, ça tourne. Il y a pas de char? Non. Il n'y a pas de stop. Oh, wow! Les lambeaux. Hein. Ouais, c'est en train de se transformer en une Supercell. Vous êtes parti à quelle heure du Québec? Oh, on est parti. En après-midi, il était à 2 heures, genre? Ouais. 2-3 heures. On a pris notre temps. On allait. Oh wow! On commence à voir. Oh tabarouette! Ok. Les tornades, mon œil. Wow! Ah, si ton œil va bien, c'est ça l'important. Ouais. Wow! Ça vous plaît pas, vous avez juste à aller ailleurs pour, sur un autre live. Là. Ouais, Nancy, elle parle pas à ceux qui sont sur Extend Chase. Là. Non, non, oui. Ah, ok. Là, oui. Il y en a qui dit tu es malheureuse, toi. Parce qu'elle dit les tornades, mon œil. Formez bien un duo de deux menteurs. Wow. Ben, je pourrais peut-être comment qu'elle s'appelle? Nathan Renoir. Mais je pourrais peut-être être deux menteurs, blablabla. Regarde, on n'a pas besoin de ça sur le live. Non. Je pense que. On ment pas. Ben, c'est pas grave. Tu sais, les. Est parti. Ok. Non, mais pour les autres gens. Ouais. Tu sais, on est présentement dans un endroit où qui annonçait des tornades aujourd'hui.
Le potentiel, il est là. On est là. Ça fait depuis tantôt que je vois une couple de super cellules autour de nous, puis ça spin, là, tu sais. Pas besoin de se demander. Ici, là, tu vois le ciel bleu en arrière des nuages, là. Il n'y a pas de cap. Regarde, les vaches, ils se préparent. Oui. Les vaches, là, quand ils voient des orages, ils se mettent en troupeau, puis ils se mettent les fesses vis-à-vis l'orage, dans le fond, là. Ils se montrent le derrière. C'est vraiment drôle voir ça pas quand les orages arrivent. Elle a surtout besoin d'attention. Ouais, ah, ben c'est ça, il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux que. Tu sais, nous, on cherche pas de l'attention, là, on vous montre qu'est-ce qui se passe. Si on ferait pas de live, on serait là pareil. Vous êtes sur deux lives en même temps, mais plutôt trois. On est sur YouTube, TikTok, puis Facebook en même temps. Ouais, on fait des tests là pour un moment donné là, on va pouvoir tout synchroniser ça ensemble. Ouais. Parce que certaines personnes n'ont pas Facebook, fait que c'est pour leur donner l'opportunité de regarder quand même les lives sur YouTube ou TikTok. T'sais, il y en a pas aussi qui. T'sais, moi, je suis débutante en TikTok, je viens de l'avoir. Fait que c'est ça. Et on veut donner la chance à tout le monde de regarder peu importe où. Nos lives, nos chasses d'orage. C'est quoi le nom sur Facebook? C'est Extreme Chase Québec. Puis on donne plus, pour l'instant, on donne plus de contenu sur Facebook, sur Extreme Chase Québec, mais éventuellement, on est en train de regarder, de se faire un site web pour devenir, donner plus de contenu, puis que ça soit plus facile pour vous. Gabriel Dubreuil, regarde. Salut Gabriel! On est au States. Si tu regardes notre coin, on est dans le coin de Watertown. Ça n'en fait des Gabriels. Oh, on va le laisser passer. Elle est belle sa moto. Bleu métallique. Comme vous pouvez voir, le réseau est quand même assez bien. Là. Moi, je les apprécie, vos lives. Merci de faire ce que vous faites. Vous tripez. Moi, je me sens en sécurité de pouvoir prévenir si jamais. Ceux qui sont sur YouTube, là, je vois pas les commentaires là, parce que là, il manque d'écran. Ouais, ça me prendrait un autre téléphone parce que habituellement, c'est moi qui regarde tous les messages un peu partout. Là, il faudrait que je me connecte aussi sur YouTube, mais j'ai aussi TikTok à regarder. Fait que là, c'est comme ça me prendrait un troisième téléphone. Là. Mais ouais, c'est pas grave, on va regarder. C'est vrai, j'en ai un à maison. Mais j'ai fini. Mais qu'on ait fini la chasse, on va checker vos questions, mais c'est ça là, pour ceux qui se demandent, là, on est en direction de Anderson, on est devant les Grands Lacs, on a une super cellule qui s'en vient vers nous. Oh, ici il y a des débris, ça a brossé l'autre fois. C'est normal parce que là, on perd des fois le réseau. Donc, inquiétez-vous pas, on va se remettre en l'air aussitôt qu'on est là. Ben, aussitôt qu'on a l'Internet plutôt, là. Ça bug Facebook. Ça se peut. Ouais, puis YouTube, il a l'air éditable. Ouais.
Ah, t'es revenu en live sur Facebook. Puis moi, j'étais toujours. Ça n'a pas coupé, je crois, sur TikTok. C'est un avantage, là. Vous vous promenez, c'est tout. Mais c'est ça, c'est à cause du réseau cellulaire. C'est quoi le nom sur YouTube? Ben, je vais vous donner ça dans pas très long. Ouais. Sur YouTube? Ouais. Ah, c'est Mathieu Lussier, chasseur de tempêtes. Ouais, mais c'est ML. Son chasseur? Non, c'est Mathieu Lussier. Ben, moi, j'ai ML son chasseur. Ça, c'est Twitter. Mon ancien Twitter. Mais le nom, c'est Mathieu Lucis, chasseur de tempête, okay. Storm Chaser. Ben, c'est pour le lien, c'est pour ça. YouTube s'est arrêté. Mais moi, à date, mon TikTok n'a pas arrêté. Puis je suis à 3 bars LTE. Ça l'avance à 39 côté est. Il y a beaucoup de zones de rotation dans le dans la cellule. Ouais, il y a beaucoup de vent. Ça explose en avant. Bon, là, on va commencer à voir la structure. Là, il a pas reparti son live sur YouTube. Ça se peut que ça. Pour ça que ça marche pas. Ouais, parce que là. Parce qu'il est en live. Ah, oh, ben tu pourrais le partir là-dessus. Là. Ouais, mais. Ça marche pas. Il y a un éclair là. Qui est sorti du nuage. Oh, check la structure. Vous êtes dans quel coin? On s'en va vers Anderson, l'État de New York. Oui, dans l'État de New York. On suit cette île-là qui est dans au niveau du lac Ontario. On va bientôt, on dirait toucher terre, là, mais il n'y a pas de terre.
Elle va sortir de l'eau, là, la cellule, puis elle s'en vient. Et Seigneur, que j'ai ça. C'est vraiment beau. Je sais pas si vous voyez, là. Mais. Bon, on est encore. On est encore loin, mais. On s'en va direct dedans. Dans la cellule, on voit plein de lambeaux en bas de la cellule. Ça coupe beaucoup, mais je peux pas rien faire. Essaye de te connecter sur nous. On a le même réseau. Virus in? Changer.
clairement qu'il y a un incendie. Ah, c'était là. Okay. Ah, fini. Sûr.
bonjour tout le monde, hein? L'internet, ça vaut qu'est-ce que ça vaut. Hein? Donc, je vais essayer de me positionner pour vous montrer là, le chef cloud là, qui est vraiment débile. Puis ça, qu'est-ce que vous voyez en avant? Ben, c'est une cellule qui vient de lever. Ouais. Donc là, c'est en train de lever un peu partout. Ah, et ça, puis, ce serait le fun si on pourrait... Il y aurait un spot. Pas de bladding. Ouais, c'est pas vrai. Ouais, la connexion est très, très instable. Ouais. J'étais à 3. C'est quoi un boulon? C'est vraiment beau. Wow. On va prendre les photos. Là.
Ouais, c'est des beaux scuds, là, ça tourne un peu, mais c'est un gros chef cloud, là. Il y a de la grêle de 0,75 pouces. On a une autre cellule qui est levée en avant de nous autres, elle a de la grêle de 1 pouce. Ah. C'est qui? Pretty amazing, isn't it? Yes! Are you tracking the weather? Yes! I track it. We are a storm chaser. Okay. From the Montreal. So, why don't you come here? Because we usually don't have this kind of weather. I'm from Quebec. Okay. Wow. Well, enjoy it. Yeah. Thank you. Je pense qu'il arrivait de la plage parce que. Oh, c'est ça. Il y avait une serviette de plage. Il a vu ça, puis il a dit c'est quoi ça? Attends, je vais aller checker. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est serré? Ah oh ouais, c'est un téléphone qui sonne. Un téléphone? Il y a de la grève d'un pouce en arrière. C'est un chef cloud, là, c'est... Tu sais, ça fait un nuage en arcus, puis ça emporte... ben, en arrière de ça, il y a des orages. Il y a de la grêle, des éclairs, mais ça ne pourra pas faire une tornade, dans le fond. C'est juste beau à regarder, ça a l'air impressionnant, mais c'est ça.
Je l'ai sorti, ça va sonner. C'est quoi qu'il y en a là? Oh, il y a de la voie des trous. Oh, oh, je suis arrivé.
l'état de New York. Ouais, pas Lorraine à Québec. Au Québec. Le réseau un peu. Ça a shifté sur Verizon. Donc là, on est entre deux orages. On est du côté des États-Unis, dans l'État de New York. On est dans la région de Ville-Lorraine. Ben, pas Ville-Lorraine, mais Lorraine. Mais du côté aux États-Unis, là, pas au Québec. On est en train de tornade. Alerte de tornade. Fait que présentement, on est dans l'alerte de tornade. Ah non, ok, c'est tout sur ça. Ici. Nous autres, on est ici. Fait que là, ça vient d'apparaître l'alerte de tornade là-dedans. Oh! Qu'est-ce que tu as vu? Un landspot? Ça a tourné un peu, mais... Excuse. Allez, tu vois, Mathieu, mais... Juste là, on a c'est juste l'humidité, là. OK. On décolle. Ça tourne un peu partout. Oups. Mais là, vu qu'il y a une alerte de tornade juste au sud, là, je connais pas la place ici, tu cherches les chemins. Là. Ok, on tourne les sites.
à l'est de ça, dans la ville. On a dépassé un peu la ville Lorraine, là. On est sur la 93. Là, ça va peut-être couper un peu, parce qu'on en a pas de oh! Yeah.
Bonjour tout le monde, le signal devrait être meilleur. On est sur 5G. On est sur une route asphaltée. On est sur la 177 dans le secteur de Harrisburg. Dans le fond, on s'en va vers Craig, dans l'État de New York. Donc, dans le fond, on est à côté du radar Montaigu. Et je sais pas, il est où, mais on est collé dessus. D'après moi, il est sur la 27, là, à notre droite. En tout cas, ici, il y a beaucoup d'eau. Là. Les ruisseaux sont inondés, les terrains aussi. Ouais, c'est ça qui est ici. Ouais. Bellwood. Il est à recteur sur Sear Pond. C'est sur là, ici. Pas glissé, j'ai juste arrêté. On se rapproche. Ouais, on se rapproche. Ouais, c'est ça. Ouais, Amine, on est dans l'État de New York. On est aux États-Unis, là, ils annonçaient potentiel de tornade aujourd'hui. On était en Ontario tantôt, puis on a décidé de traverser à. Les mille îles en Ontario, là, on a traversé par là pour rentrer aux États-Unis. On a découvert un peu c'était quoi. Donc, la ligne est passée. Là. Il y a d'autres orages plus au sud, mais ça a l'air affaiblir. Il est quand même. Un camion de pompiers. Usagé. Ils sont des gros crayons en Ontario. Ouais, on a vu ça. Là, on est à côté du radar, donc on va juste aller voir de quoi il est. Qu'il y a de l'air, puis il est positionné où. Puis en même temps, ben, vous allez le voir de quoi ça a de l'air. Un radar. Ah, mon tag. Je vais essayer de reconnecter ça. Ouais.
5h du matin. Ah, il est là. Ben oui. Il est caché dans le bois. Ouais, on va aller à côté de la 26. National Weather Service, TI Doppler Radar. Isabelle, on est dans l'État de New York. Ça, les taux cellulaires, on les voit souvent, puis on a des applications pour savoir son rôle. Il y a des éclairs là-dedans. Il y a des petits
cellule orageuse un peu partout. Martial va se voir un peu bientôt. Mais c'est la plus forte. Il peut se maintenant à Laval. C'est de la pluie modérée, mettons. Okay, c'est 35 MPH. À pas les gars en gâteau.
degré, ça a diminué. Ouais, il n'y a pas grand chose au Québec. Non, ici, là, on est à 16 degrés, là. D'autres choses tantôt, là. Mais au pire, là, on viendra en live.